Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super. Yo tout le monde, Sofiane le Geek. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans son jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP avec les 3 persos stars de l'anniversaire de 4 ans de Dragon Ball Legends, à savoir le Migaté élève qui est à 7 étoiles. Franchement, 7 étoiles, c'est très correct. Je suis super content. Et ensuite, le Végéton Ultra 14 étoiles. Alors là, c'est plus vraiment correct. Là, c'est de l'insolence. Franchement, même moi encore, je reviens toujours pas de l'avoir 14 étoiles. C'est un délire. On a vraiment été très chanceux durant cet anniversaire. Et également, le Goku SCJ3 Ryuken élève que j'ai à 6 étoiles. J'avais envie de me faire un kiff. J'avais envie de me faire plaisir en PVP. Parce que c'est vrai, je le redis à chaque fois. N'oubliez pas qu'un jeu vidéo, c'est fait pour vous faire kiffer. C'est fait pour vous faire plaisir. Voilà, du coup, jouer les 3 persos stars de l'anniversaire dans la même team, je pense que c'est quand même un kiff qui va sans doute casser de la bouche. J'ai hâte de voir ça. Également, accompagné dans cette team, les 3 persos, le Goku SCJ3, le Super Vegeta et le Broly, c'est pour les Caps Z et les Caps Zenzenkai, histoire de bien booster ces 3 persos-là. Les gars, on est parti. J'ai une heure devant moi. Je vous mettrai les meilleurs games. Moi, je ne vais pas vous mettre une heure de combat, ça n'a pas d'intérêt. Donc, je vous mettrai les games que je juge vraiment très intéressantes. Max de pouces bleus en mode Genki Dama. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et me dire comment vous trouvez la team. Team intéressante en face de nous pour cette première game. Bon, bah, moi, je vais prendre Migaté, Végéto et Goku SCJ3 Ryuken. Alors, faut faire attention quand même parce que lui aussi, il a du Migaté, mais surtout, il a également le tag Goku Blue, Vegeta Blue. Et en fait, ce qui me dérange, c'est qu'une fois qu'il va passer sur le Vegeta Blue, face à mon Végéto Ultra, je peux ramasser. Vu que je suis type jaune et que ça inverse justement le contre-type, il peut vite envoyer mon Végéto à la cuisine. Donc, faut vraiment que j'arrive à neutraliser rapidement son tag. Voilà, soit la Rising Rush dessus, soit voilà. On verra bien un petit peu comment que ça va se passer. Les gars, on est parti. Let's go! Voilà, hop, je baisse sa jauge. Donc il attend, c'est normal, hein, tout le monde fait ça avec Migaté. Ok. Voilà, ok. Tranquille. Ok. Il tente la break cover ou pas? Il a tenté la break cover et du coup ça passe. Donc ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Ish. Voilà. Ok. Alors, j'ai une spé en main. Ça pourrait bien l'arracher. Et oui, bah voilà. Là, ça va arracher. Oh là là, les 3/4 de la vie. Merci. Ish. Alors là, là, par contre, ça peut être intéressant. Bim, direct. Soit il passe sur le tag, soit il meurt. Il passe sur le tag. Oh. Je voulais neutraliser le tag, c'est parfait. C'est parfait. Brac. Hop, le one shot. Oh là 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 là. Hop, allez. Oh là là. Oh là 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 là. Ah bah voilà, 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 voilà. Le trio infernal, les gars. Le Migaté, le Végéto Ultra et tout. Mais incroyable. La violence des coups. Oh, le one-shot du tag, il a pas compris. Hein, tu vois, là, ah là, il a pas compris. Il aurait mieux valu qu'il perde justement le Goku Kaioken plutôt que le tag. Parce qu'avec le tag, justement, il m'aurait un peu embêté. Bon, bah là, c'est pas mal. Ça s'est vraiment bien passé. Végéto en face de nous dans la team. Ok, du coup, ouais, pff, bon, allez, vas-y. On part avec Végéto en premier. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Il faut faire attention parce que vu qu'il a également Végéto, ça peut aller vraiment très très vite. Ok. Okay. Oh, il a pris le Goku Mammouth Zenkai. Alors, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ça m'intéresse de voir un petit peu comment il va se débrouiller, ce personnage. Ok, après, par contre, il a pris le Guan Revive. Je pense que c'est surtout pour le Rising Rush qu'il a pris ça. Mais si je le touche avec Végéto, il va s'en souvenir. Ah, il va s'en souvenir. Ok. Ok. Ok, parfait. Donc là, Goku Mammouth. Bon, il ramasse là. Donc là, c'est le début du combat et il ramasse. Hein. Oh bah là. Ça ramasse. Oh là 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 là. Ça ramasse encore. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez. C'est la violence. C'est la violence. C'est la violence. Là, c'est. Voilà. Ok. Allez, on se concentre. Il attend, il attend. Ok, bien vu. Ok. J'ai pas été bon là-dessus. J'ai pas été bon là-dessus. Bon, par contre, je tanque un minimum. C'est ça qui est intéressant. Ok, ça tanque. Du moment qu'il a pas mis la verte, c'est bon. Perfect dodge, ça fait plaisir.
Huche. Voilà. Voilà. Le Goku SSJ3, tranquillement. Voilà. Et là, il tank, là, maintenant, le Goku Mammouth, hein. Il a dû entendre mon pas de côté. Ouais, ouais, bien wesh, bien wesh. Bien wesh à lui. Ok. Voilà, petite cover de Végéto. Parfait, ça. Allez. Bon, par contre, Végéto, là, c'est... Oh là 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 là. Ok. 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 Allez. C'est parti. C'est pas mal là. C'est pas mal du tout même. Là ça devrait faire mal. Là ça devrait faire mal. Là le mammouth. Je pense que tu prends ta tartine. Hein. Tu prends ta tartine là. Allez, ça dégage. Franchement. Incroyable, c'est juste incroyable. Oh là là. Le one shot. Pff, allez, la tartine aussi. Oh là là. Ouais, voilà, c'est Végéto. Végéto. Plus le Nougaté. Et le LF. Et il a pas voulu. Il y en a aucun depuis tout à l'heure qui veut se laisser se faire LF. C'est ouf. Donc voilà, c'est... Non mais vraiment, là, la team... Elle roule super bien, quoi. C'est super bien aiguisé. C'est... On monte en point et tout. C'est incroyable. Team quasi purple. Enfin, non. Non, parce qu'il y a quand même le Gogeta Ultra, le Nougaté, tout ça. Ok, bon, je vais partir comme ça. Et je vais prendre ces trois-là. Alors, faire attention également, hein, quand même. Hein, le Nougaté, 6 étoiles, faut pas le négliger. Et puis, on va voir. Et franchement, je sais pas ce qu'il va prendre. Ok, Végéto, ok. Ok, il a pas pris le Gogeta Ultra. Très bien. Il a pris le tag Goku Blue, Végéta Blue. Ok, je pense qu'il a dû voir le Végéto 14 étoiles, il a dû se dire, il me faut le tag, comme ça si je switch sur Végéta, je suis bien. Et bah moi, j'ai envie de te dire, je vais essayer de te plier en deux avec ton tag. Voilà. Alors, allez, let's go. On va se concentrer. Ok, parfait. C'est un mec qui tempo. Ok. Donc là, Nougaté face à Nougaté. J'ai été un poil lent. Ah par contre lui il est pas lent. Et il m'arrache bien. Il m'arrache bien frère. Il m'a bien arraché. Ok. Ok. Voilà la petite strike cancel qui a fait plaisir. Hein. C'est ce qui m'a permis de débloquer la situation. Mais bon il a remis la cover. Par contre elle a foncé tête baissée. Il aurait pas dû. Parce que là. 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 Oh bah là. Là. Végéto. Bah hey, tu sais quoi, hop, je rising rush direct. Faut neutraliser le tag. Faut neutraliser le tag direct. S'il ne contre pas, le tag il est neutralisé les gars, c'est royal. C'est bon, c'est pas contré. Le tag, ça dégage. Y a pas de Végéta ou quoi. Ça, ça fait plaisir. Ok, allez. On se retrouve en 3v2 pour l'instant, on est bien. Dans la game, on va pas se mentir, faut faire attention. Il a rising rush lui aussi. Allez. Petite tape attaque histoire de bien se remettre. Voilà, il attend. Moi aussi. Ok. Donc là, la cover. Ich. Voilà. Et voilà. J'ai fait ça dans le bon timing. Et là, il n'y a pas de cover, monsieur. Par contre, là, tu vas pleurer. Là, tu vas pleurer. Là, tu vas pleurer. Je veux pas faire l'ultime. Hein. Hop, voilà. On va tape attaque, ça devrait le finir. Parfait. Parfait, parfait. Il reste plus que le Nougaté. La petite verte. Hop, ça passe. Allez, il est fini. Il est fini. Voilà, avec la verte, le contre-type, ça fout le camp. Et là, voilà, c'est plié. C'est plié. C'est plié, les amis. C'est plié, c'est incroyable. C'est incroyable. La team, elle est vraiment royale. Là, c'est le trio infernal. C'est le trio star. C'est le trio star de l'anniversaire des 4 ans de Dragon Ball Legends. C'est là où on se rend compte qu'ils ont sorti vraiment des persos de ouf qui en fait se complètent, tu vois.
avec les covers, la carte verte pour contre-type du Végéto, le fait qu'il ait la survie au chaos, etc. Le Milgaté qui vient, qui temporise la game de par sa jauge, sa double jauge et tout. Mais franchement, c'est incroyable. Ok, donc là, il a les persos free-to-play d'anniversaire. Bon, ben moi, je vais partir avec ces trois-là. Alors, franchement, je pense pas qu'il va jouer double violet. Ça serait vraiment suicidaire, hein, face à mon Végéto ultra. Je pense pas qu'il va faire ça. On va voir, il prend qui ? Le VB, d'accord, très bien. Le Majin, ok, il a pris Gogeta 4 et tout. Ok, très bien. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, là, normalement, je suis pas trop inquiet. Son Majin, hormis essayer de faire des dégâts sur mon Goku SSJ 3 Ryuken, c'est tout ce qu'il peut faire. Par contre, là, ça charge... non, ça va être encore une game foireuse. On en a eu quand même des games foireuses. Hein. Enfin, du moins, j'en ai eu durant cette vidéo. Mais ok, bon, je pense que ça va quitter, comme d'hab. Non. Je sais pas, ok, bon, on verra bien. En tout cas, voilà, le Majin, il peut faire des dégâts sur le Goku SSJ 3 Ryuken. Mais sinon, là, une fois que je vais l'attraper avec le Végéto Ultra, il va pas comprendre sa douleur. Ah, clairement, il va pas comprendre sa douleur. On va voir. Ah, ça y est, c'est bon, ça charge. Ok. Ça va être compliqué, je sens. J'espère qu'il va pas y avoir de lag. J'aimerais pas qu'il y ait des lags. Ça serait quand même pas mal. Ok, écran noir. Écran noir. Écran noir. Écran noir. Non. Non. Et la lumière fut. Ah les gars, les coups de pression. Ok. Sopa Benito. Ok. Ok, parfait ça. Ish. Très bien. Ok, bien wesh. Très bien. Ok. Ok, ça tank, hein. Oh, c'est normal, hein, il n'y a pas de cover. Il a switch sur le Majin Vegeta. Ok, la tape attaque. Parfait. Et là, on va taper. Là, on va taper. Voilà. On va mettre lui, il n'y a pas de cover. Et voilà, je savais qu'il allait mettre ce Végéto. Alors là, par contre, là, on peut faire mal. J'arrache. 1,7 million. 1,8 million quasiment. Je pense qu'il va pas lui rester grand-chose. Fais voir. Ah bah non, mais il lui reste plus rien. Oh là 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 là. Oh. Oh, parfait ça. Oh là là. Et franchement, on fait un festival. On fait un festival, là. Oh. Oh bah là, c'est le festival, c'est ce que je dis. Oh là 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 là. Oh là 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 là, arrêtez tout, arrêtez tout. Oh là là. Il a fait le main, très bien. Je vais faire de même. Allez, hop, bim, voilà. Voilà. Plié, c'est emballé, c'est pesé. Non mais c'est la violence. Bon, alors lui, c'est vrai qu'il n'avait pas une team bien étoilée, donc forcément, en plus, là, ça arrache de la bouche. Mais voilà, elle est vraiment très équilibrée. On peut le voir, même face à des teams étoilées, ma team, à chaque fois, même si les mecs sont étoilés, ça casse de la bouche, voilà. Donc là, pour le coup, lui, laisse tomber, il a pris vraiment tarif, le pauvre. On va voir un petit peu, du coup, ce que ça va donner. On est combien, là? 53. Oh, ok, on avance quand même, encore 61. Et là, il a du Milgaté 6 étoiles. Bon, moi, je l'ai 7, du coup, ça se tape, tu vois. Alors, je vais prendre ces 3-là. Par contre, faut faire attention, il a également le Végéto Ultra. Bon, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Faut pas baisser sa garde qu'il a pris VB, Milgaté, ok, ça marche. Mais en tout cas, les amis, voilà, avec ces trois-là, vraiment, avec les trois persos stars ensemble dans la même team, c'est vraiment équilibré. Ils ont chacun leur point fort, le Goku SSJ 3 qui t'empêche les covers, le Végéto Ultra avec sa carte verte qui annule le contre-type, ensuite également le Milgaté qui va venir temporiser, qui gagne Clash et tout, voilà, franchement, c'est incroyablement fort. Voilà. Ok, ça tape. Ish. Il n'y a pas de cover. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il n'y a pas de cover. Tu vois, chaque perso est à sa place dans la team. Chaque perso a ses points forts. Voilà, hop, ça va ramener une carte. Allez, on rattaque direct. Il met le Végéto. Parfait, parfait. Ça passera pas. Ça passera pas, ça. Très bien, il va me faire des dégâts. Là, j'aurais peut-être dû... Bon, ça passe, ça crit. Mais en vrai, il faut que je prenne le réflexe de strike sur les blasts. Voilà, là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est trop fort, les gars. Ok. Parfait, ça. Ça, c'est parfait.
Pas de cover. C'est ce que je disais, il n'y a pas de cover, les gars. Voilà, je vais réagir, je dirais, je vais même pas me prendre la tête. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, vous voyez, il y a déjà un perso qui est mort direct. On est vraiment trop bien dans la game. Le perso, il a... Le perso, il est pas mort. Ah non, sinon c'est pas drôle. Oh là là, purée. Oh, en plus, ça crit. J'ai pas de chance, les gars. Bon, bref, c'est pas grave. On est vraiment bien quand même dans la game. Hein. C'est, voilà. Du coup, hop, cover. Je vais faire l'aspect, là. Je vais même pas me poser de questions. Je vais faire l'aspect direct. Parfait. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. Je ramène une strike. Voilà. Us. Je vais gagner Clash. Je vous l'ai dit, les gars, c'est trop fort. La team est trop fort, les persos. Les devs, ils ont pas fait n'importe quoi quand même avec les persos. Parce que là, en fait, tu te rends compte que... Ok, parfait. Bon, là il est fini, là. Voilà, c'est finito. Là, c'est finito. En fait, ils ont pas fait n'importe quoi avec les persos. Ils ont chacun leur particularité pour rendre la team vraiment très équilibrée quand tu joues les trois en même temps. Bon, il va quitter, je pense. Il va pas laisser le LF. Ah. Ah bah... Ah bah il laisse. Ah bah tant mieux. Ah enfin on va voir un LF. Ça fait plaisir. Il laisse. Les gars c'est trop fort. C'est beaucoup beaucoup trop fort. La team est vraiment incroyable. Franchement les gars, dites le moi dans l'espace commentaire. Hein. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Incroyable. Franchement c'est vraiment spectaculaire. Et je prends du plaisir. Voilà, franchement là tu prends du plaisir à jouer une team comme ça. On va voir là, je suis classé combien là en PVP là. Hop, fais voir un petit peu. Je suis classé 1753. Bon, c'est le début de saison, hein, voilà. Mais bon, on gagne quand même pas. On a gagné les combats, les gars. On a arraché de la bouche. La team, elle est trop violente. Franchement, la team est vraiment trop, trop bien. Avec les trois persos là également qui viennent donner un petit boost avec les caps de Zenkai et tout ça. Franchement, ça donne une team de dingue. Vraiment, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Dites-moi vous aussi si vous trouvez ça ouf. Mais en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Max de pouce bleu en mode Genkidama. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se dit à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek.